Alors là, je suis en Slovaquie. Wait a sec. Bon, eh bien, plus qu'une journée sans problème, bah, ça serait pas drôle. Bah, on est sur une 10e crevaison de Damien. Encore et encore. Un mot ? Non, plus rien à dire. Plus rien à dire. Hein. Ouais. On est à Cracovie et il neige. Et on est avec Zinedine qui nous accueille. Et il neige bien fort. Et bon anniversaire, Damien. Merci. Voilà l'anniversaire. Ça marche pas. Ça pizza. Pizza Spaoli. Oh. Voilà. Mmh. C'est quoi ça? Pizza tuna. Tu el tuno pizza. Encore une fois. Aujourd'hui samedi 11 mars, on a des conditions dantesques pour avancer avec un vent de face à 20-30 km/h et de la neige. On voit de quel côté vient le vent, la petite moustache qui gère. Bon, après une dure journée, on reste quand même à la démonstration de l'équipe de France. On a pris un petit hôtel et à la télé. Ça fait plaisir. Et c'est un prank en fait, on est toujours en France. On est entre Magest et Castets là à côté de l'autoroute. Le record qui était de 22. Nous sommes partis pour faire un test de souplesse avec Damien, sachant que les deux on est on peut se considérer comme des gymnastes. Regardons ça. On est sur du 23 cm. Oh, j'ai cru que j'allais me déchirer. À moi. Disney. 26. Et on est sur du 30. Après la souplesse, la force, on va voir qui est le plus fort. As strong as loose an anaconda. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Tu tires. Je prends une petite étorse. Tire, c'est pas. Ça ne marche pas. Hey, on est dans le parc naturel de la Briasba et on a dormi cette nuit ici, tout en haut,
pouvez voir, c'est des grands marécages. Okay. Mm-hmm. Oh, the thing, it's a hurt. Think... yeah, they started to eating it. And what did happen? Right. I think they already start. They fix it with the propolis. Dobry! Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de la frontière avec la Lituanie. Et voilà, c'est une nouvelle frontière. Bon, ben on était censé passer par là, mais apparemment il n'y a pas de pont. Mais après recalcul de l'itinéraire, vu qu'il n'y a aucun pont en Lituanie, on rajoute 45 km à notre itinéraire, juste parce que le pont est inondé. Et bien pour couronner cette magnifique journée, il commence à pleuvoir et il prévoit de la pluie toute l'après-midi. On est content. Après avoir fait un détour de 40 km pour prendre un pont, on arrive sur la route pour vélo et hop, comment on fait là? Dure journée, jamais une journée facile. Il pleut toujours, mais on arrive en Lettonie. On va vous montrer le panneau. Elle est là, la limite. Mais ramène-le ton chien là. Damien dans 10 ans. Après 3 mois dans le centre du continent, on revoit enfin la mer. D'ailleurs, un truc qu'on ne savait pas sur la Lettonie, les plages, c'est du sable. Comment pas piquer des hannetons? Et c'est toujours moi qui vais l'attendre. Regardez, ça fait saliver. Se réveiller et se rendre compte que c'est toujours l'hiver en Lettonie, et oui.
Bon, pour ceux qui comprennent pas trop, c'est l'Estonie. C'est sûr que c'est pas trop le même langage que nous, mais voilà quoi. Yo, la MIF. Alors là, incroyable. On a roulé sous la neige toute la journée. C'était assez long. Et on a toqué chez une dame qui a une ferme. Donc, je vous montre un peu ça. Donc, elle a une ferme, elle a sa maison en jeune. Après, elle a la maison de son cousin. Et nous, du coup, on va dormir ici. Et on va dormir dans le sauna. Faut s'allonger. Encore une mission réussie pour Into the Ride. Aujourd'hui, on dort encore une fois au chaud. On a réussi à se faire héberger par la paroisse de la ville de Rapla.